cette air que je respire. Yes. Cette air que je respire. Si ta présence qui vit en moi, se part de chaque jour, se part de chaque jour. C'est ta parole donnée pour moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Saluons, peuple de Dieu. C'est une grande joie, toujours. Personne ne peut venir dans la présence de Dieu et être déçu. On peut aller dans sa présence avec une douleur, avec un chagrin, avec des difficultés. Mais on en ressort avec la joie au cœur, avec la paix, la liberté. Il a dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux, vos soucis. C'est à ses pieds. C'est pour cela que nous pouvons dire et le répéter chaque fois que c'est une grande joie pour nous, équipe de chambre haute, de nous tenir dans sa présence, bien entendu avec vous. Et ça, c'est depuis votre salon. Unis dans le même esprit, nous pouvons donc célébrer le Seigneur. Nous voulons aujourd'hui jeter un regard sur, je dois dire, l'essentiel. L'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Nous parlons de la parole. La parole. La parole, même pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. Vous savez que Dieu est dans sa parole vient de lui. Donc on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Or, il est clairement établi que tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui existe, a été créé par la parole. Ce qui sous-entend que tout vient de Dieu et que Dieu est la cause première de toute chose. Tout ce qui existe a pris forme en Dieu, par Dieu et par sa parole. C'est pour cela que notre thème de ce jour, nous l'avons intitulé « La puissance de la parole ». La puissance de la parole. Mes frères et mes sœurs,
on ne le dira pas assez. La parole est tellement puissante que lorsqu'elle est prononcée, elle produit forcément un effet. L'effet peut être négatif, l'effet peut être positif. Mais cette parole, elle est puissante. Je voudrais vous lire un texte. Peut-être que ce que je dis est très faible. Le vocabulaire ou le vocabulaire que j'utilise est peut-être très faible. Les mots ne sont pas assez forts. Mais la parole de Dieu elle-même se révèle comme étant très puissante. Je dois dire toute puissante. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Avant de faire cette lecture, je voudrais que nous puissions encore chanter ce chant. J'ai tant besoin de toi. Ce chant exprime l'état de l'âme de l'homme qui cherche la face de Dieu, qui a soif de Dieu. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui ne sent pas ce besoin de Dieu, à moins que vous soyez un esprit mauvais, le diable en personne. Mais même le diable qui est là, il sait qui est Dieu. Il sait qu'il est perdu. Mais l'être humain qui a un cœur, une âme et un esprit, il peut jouer au dû, mais au fond de lui, il sait qu'il a besoin. Il a tellement besoin de Dieu. À plus forte raison, l'enfant de Dieu que tu es, tu as tellement besoin de lui, tout comme nous avons nous aussi besoin de lui. Perdu sans lui, perdu sans sa parole, perdu sans Dieu, sans sa puissance. J'ai tant besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Je dois de toi, Seigneur, perdu sans toi. Reçois la parole, reçois la consolation de Dieu. Que la main de Dieu soit à l'œuvre dans ta vie, bien-aimé. Hébreux 4, verset 12. Je le lis dans la version d'Alfred Quinn. Parole vivante. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle ne passera pas donc. Si elle reste en vigueur, le monde passera, les hommes finiront, les pouvoirs disparaîtront, les puissances s'éteindront. Les grands de ce monde s'endormiront dans la mort. Mais la parole de Dieu restera toujours en vigueur. Amen. Yes. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être. Et ils ont pris le soin de mettre deux points. Articulation et moelle. Ce qui veut dire notre vie intérieure jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. La parole discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. La puissance de la parole.
On dit bien qu'elle peut naître jusqu'aux profondeurs de l'être. C'est-à-dire l'homme, il n'y a que seule la parole de Dieu qui peut agir en profondeur jusqu'à séparer la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Une ligne de démarcation. La parole va jusqu'à juger les intentions et les pensées, les sentiments les plus enfouis à l'intérieur de l'être de l'homme. Je dois dire son âme et son esprit. La puissance de la parole. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cette parole que l'apôtre Jean prend soin de nous présenter en disant cette parole, elle est vivante, elle est Dieu. Il dit la parole a existé avant tout. Jean dit que la parole existe avec Dieu. Jean dit que la parole est Dieu. Jean dit que la parole a été faite chair pour sauver l'homme. Jean dit que la parole, elle est vie, elle est lumière pour éclairer ceux qui marchaient dans les ténèbres. Jean dit que la parole, elle sauve. Et Jean dit que la parole, elle crée. Elle crée. C'est-à-dire, tout ce qui existe a eu son existence grâce à la parole. Je voudrais que nous puissions célébrer cette parole aujourd'hui. Que nous puissions chanter cette parole. Que nous puissions adorer cette parole. La parole de Dieu. Et pendant que tu l'adores, la parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu en toi. Car c'est Dieu qui a dit sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. Nous commandons qu'aujourd'hui, la parole de Dieu appelle à l'existence ce qui manque à toi et à ta vie. Amen. Que la parole fasse venir à l'existence ce que tu as recherché depuis des années, ce que tu attendais depuis des années, ce que tu as espéré depuis des années, que la parole fasse venir à l'existence. Yende makaya de l'oroshia. Ta parole est une langue. Je commande que les ténèbres te quittent, les ténèbres s'enfuient, les ténèbres dégagent, parce que la lumière de la parole est claire. La lumière de la parole est claire. La lumière de la parole est claire. Ton nom est comme tu viens. Sur mes lèvres, ton esprit, La parole de Dieu pénètre à l'intérieur, pénètre en profondeur ton âme. La parole pénètre en profondeur ton esprit. La parole fait effet en toi. Amen. La parole descend dans les profondeurs de ton âme. Elle descend dans les profondeurs de ton esprit. Je t'informe que la parole, la puissance de la parole te fait triompher. Elle te fait triompher. Elle fait triompher ton âme. Elle fait triompher ton esprit. Elle te fait triompher de l'adversité. Where is the Lord of Scandalion? Ta parole est une langue. Yes, on débarque, on défaule, on est de brise. Je t'aime. On débrise les gants de sang. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. De ta place là où tu es, tu vas proclamer avec moi. La parole proclamée est puissante. Yes. Surtout quand elle est proclamée avec foi et assurance. Je veux que tu te rappelles de cela.
Dieu dit. Peut-être que quand je parlais, tu n'as pas entendu, mais Dieu dit. Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir fait pourquoi il a envoyé. Qu'est-ce que Dieu veut de ta vie? Qu'est-ce que Dieu envisage de faire? Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais qui n'a pas encore eu son accomplissement. Dis avec moi, je me tiens devant Jésus. Je me tiens devant Jésus. Je me tiens devant sa parole. Je me tiens devant sa parole. Je saisis la parole de Dieu. Je saisis la parole de Dieu. Je reçois l'autorisation de cette parole. Je reçois l'autorisation de cette parole. Je me tiens dans la permission de cette parole. Je me tiens dans la permission de cette parole. Et par la puissance de cette parole. Et par la puissance de cette parole. J'appelle à l'instant. J'appelle à l'instant. J'ordonne à l'instant. J'ordonne à l'instant. Je commande à l'instant. Je commande à l'instant. Que tout ce qui m'a manqué. Que tout ce qui m'a manqué. Que tout ce qui a manqué à mon âme. Tout ce qui a manqué à mon esprit. Tout ce qui a manqué à mon existence. Vienne à l'existence maintenant. Au nom de Jésus. Par la puissance de la parole. Puisque la parole pénètre mon être. Puisque la parole pénètre mon être. Et puisque cela est la vérité. Et puisque cela est la vérité. J'ordonne aujourd'hui même. J'ordonne aujourd'hui même. Tout ce qui a été un vide en moi. Tout ce qui a été un vide en moi. Est comblé maintenant. Est comblé maintenant. Tout vide dans mon âme. Tout vide dans mon âme. Est comblé maintenant. Est comblé maintenant. Tout vide dans mon esprit. Tout vide dans mon esprit. Est comblé maintenant. Est comblé maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'a pas de valeur, tout ce qui n'a pas de valeur dans mon âme, dans mon âme, tout ce qui n'a pas d'importance, tout ce qui n'a pas d'importance dans mon esprit, dans mon esprit, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu et qui est dans mon âme, implanté dans mon esprit, implanté dans mon esprit, est déraciné par la parole, est déraciné par la parole, est arraché par la parole, arraché par la parole. Je reçois la parole de Dieu, je reçois la parole comme une graine dans ma vie, comme une graine. Je reçois la parole de Dieu comme une semence dans mon esprit. De Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur. Seigneur. Ta volonté est dans ta parole. Ta volonté est dans ta parole. Et ta parole prononcée sur ma vie. Et ta parole prononcée sur ma vie. Véhicule tes intentions pour moi. Véhicule tes intentions pour moi. Je reçois aujourd'hui. Je reçois l'accomplissement de ta volonté. L'accomplissement de tes intentions. Dans ma vie. Dans mon existence. Par la vertu de ta parole. Par la vertu de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Il y a eu beaucoup de paroles. Il y a eu beaucoup de paroles. La parole des hommes. La parole des hommes. La parole de mon père et de ma mère. La parole de mon père et de ma mère. La parole des hommes autour de moi. La parole des hommes autour de moi. Depuis que je suis né. Depuis que je suis né. J'ai entendu la parole. J'ai entendu la parole. Mais toute parole. Mais toute parole. D'origine douteuse. D'origine douteuse. Toute parole. Toute parole. Qui véhicule une malédiction. Qui véhicule une malédiction. Toute parole. Toute parole. Qui a une mauvaise sémence. Toute parole chargée de malédiction, chargée de situation, de malheur. Seigneur, toute parole, quel que soit son lieu de provenance, je me saisis de la parole de l'Éternel. Moi, je me saisis de la parole de l'Éternel. La parole qui pénètre mon être. La parole qui pénètre mon être. Et par cette parole puissante. Par l'autorité de cette parole. J'annule toutes ces autres paroles. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Je détruis ces paroles. Je détruis ces paroles. Je brise ces paroles. Je les consomme. Aujourd'hui.
Je reçois la bonne parole de Dieu. Je reçois la bonne parole de Dieu. Et toute parole des hommes chargés de bénédiction, je reçois aujourd'hui. Toute parole chargée des hommes chargés de bénédiction, je reçois. Au nom puissant de Jésus. Je soumets mon âme à la parole. Je soumets mon esprit à la parole. Je suis influencé par la parole. Et je reçois la puissance de la parole. Au nom de Jésus. Tout esprit qui a eu toujours une avance sur moi. Tout esprit qui a eu toujours une occasion. De m'atteindre. Aujourd'hui même. Par la puissance de la parole. Je le terrasse. Et je me défais de toi. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était debout, tout ce qui était debout, tout ce qui s'était levé, au devant de moi, qui n'honore pas Dieu, est rabaissé par la parole, est déraciné, dessouché. Par la puissance de la parole. Désormais. J'ai la sémence de la parole en moi. Dans mon âme et dans mon esprit. Dans le nom de Jésus. Oh bien-aimés, chantons et célébrons la parole. Chantons et célébrons le Dieu de la parole. Chantons et célébrons la parole faite chair. La parole qui se réalise, qui s'accomplit et qui est puissante. La parole qui est réelle et qui est vraie. La vraie parole, la meilleure, chargée de gloire, de grâce, de bénédiction, en lieu et place de la malédiction. Gloire à toi, Seigneur. Oh yes. Son nom est comme du miel sur mes lèvres. Son esprit comme de l'eau. Oh, qui rafraîchit mon âme et mon esprit. Ta parole est une lampe. Une lampe. Amen. Jésus, je t'aime. Yes, nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que ta parole est au cœur de tout. Pour nous, c'est l'essentiel. Si par la parole, tout a eu une existence et un commencement, ça veut dire que par la parole, nous pouvons mettre fin à quelque chose. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par la parole, nous décrétons création de ce qui nous a manqué et nous décrétons la fin et la finalité de ce qui nous a fait souffrir et qui ne vient pas de toi. Nous le décrétons dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Nous le proclamons dans l'existence de quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Oh, que ta parole nous habite, que ta parole demeure en nous, que ta parole nous comble, que ta parole nous contrôle. Comme ta parole dit qu'elle pénètre notre âme et notre esprit afin d'opérer, jugeant les sentiments les plus secrets, pour que ce qui est beau, ce qui est agréable soit en évidence. Béni sois-tu, Seigneur. Chers amis, c'est un fait, c'est une réalité. Il sera difficile à un humain de parler et de cerner toute la puissance de la parole. Car en réalité, c'est Dieu lui-même. Et aucun humain ne peut expliquer Dieu. Et de la même manière, la parole, quand elle sort, elle a droit d'existence. Et puisque cette parole est éternelle, parce que c'est Dieu lui-même et Dieu est éternel, sachez que notre victoire, notre bien-être, notre bonheur, notre paix, tout est lié à la parole, à ce que Dieu a déclaré sur nous de façon individuelle. Reste dans l'attente de
de l'accomplissement. Souviens-toi, il a dit, si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. D'ailleurs, il dit, elle court. Ça, c'est la parole. La puissance de la parole. Nous voulons vous recommander à cette parole. Demandez à Dieu de vous maintenir dans cette parole. Et retrouvons-nous. Retrouvons-nous dans la même parole, par cette même parole. Bientôt, dans cette même présence de Dieu. Et nous continuerons de servir notre Dieu. Jésus, je t'aime. Salut chez vous. Salut à vos familles. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, oh, je t'aime. Je t'aime.